on a empoisonné Kioumi. On a empoisonné son fils qui était le leader Kazimato Zala qui s'est fait sur Zala Koya, on est parti. Donc, Kioumi Akufana Bana Mibale à Kolanda. Tous les poisons qui a été fait. Soni ya barwande oko sambo apolo Polo, polo besi confiance kaka na mindele Baninga Afrika omona bango pamba Oko simba touche C'est à la rater à traiter, hein? On en a marre. Polo, polo, l'ingi, konyo, kola, kaka, este. Polo, iba, kabo, mingo, yaba, kongole. Boka, bola, kaya, konde, na, midele. Polo, ye, bimbo, niba, wela, bomingo, kongo. Polo, ye, baba, susu, bakota, mabele. Yango, moni, zoto, na, yeza, kosila. Polo, ka, ukilo, kola, mwana, koshoko. Avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique du Congo est victime d'une nouvelle agression rwandaise et des actes criminels et terroristes du M23. Ils ont juré de compromettre l'élan de notre progrès, nous diviser et perpétuer le pillage de nos ressources naturelles. Le sang a trop coulé, de vies sont fauchées, notre faune, patrimoine mondial, est détruite. La situation humanitaire est alarmante. Nous avons un devoir sacré de résistance patriotique et populaire. Pour cette cause nationale, mobilisons-nous. Au-delà de tout clivage, y compris politique, agissons contre l'ennemi de la paix, notre cible commune. Restons vigilants, vigilants. Disons non à la stigmatisation et à tout acte de violence. Exprimons toute notre solidarité aux compatriotes victimes de cette agression. Mobilisons-nous, apportant un soutien total et indéfectible à nos vaillants fardessés et à nos institutions pour rétablir la paix et la sécurité. Ensemble, défendons la patrie et gagnons cette guerre insensée du M23, appuyée par l'armée rwandaise. Batela Ekolo, Bendele Koyate. UEBS Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Les bio-cacao possèdent des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles et puissantes. Un autre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou de conservateur. Avec de l'eau chaude, de l'eau tiède ou du lait, profitez d'un tendre goût des cacao. Avec BioHebs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale.
un complément alimentaire conçu pour les hommes, augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté à un complément alimentaire, sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire, et qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ces produits est vrai. Bien fait et pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension et le diabète. En tant que médecin, je vous conseille d'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com. Nous sommes en Europe, aux États-Unis, au Canada. Nous sommes aussi en France et en RD Congo. Nazalaka na poto, nazalaka na souci ya kotonga ndako na Congo, bo mokolo na kozonga to pe soki na kei vacances, nazanga esika ya kopema matin na Congo, mboka na ngai. On est mieux que chez soi. Na tindi bambongo na ngai epai ya oncle Chimvundu, leki ya maman na ngai. Noko Chimvundu azwi ngai lokola mpunda na ye. Depuis on a fait ça qui est $15,000, mais bah yebisi nga place moko kozamba trop cher. Bon, yo le bakini. C'est le permis de mon. Mon ezamuke, nazo batsalo misato. Moi je suis tonton Chimvundu, papa Chimvundu, oncle Chimvundu. Yo le bakini. 2050. Muke, ezamuke. Na obeto mata. Nazongi kisasa. Ndako emuna na te. Ata terrain ya pamba na muna te. Noko Chimvundu a belinga imo. Alors tango kanda e matinga e pende na kangisa noko Chimvundu. Nazwi solution. MB Assistance Immobilier. Vous voulez être propriétaire de maison à Kinshasa et partout en RDC sans stress de construction et sans être relayé? C'est simple. Souscrivez dès maintenant, moyennant paiement de $300 par mois et après 10 ans, Nyongo Sili ou Komi, propriétaire ou Kololupa. Mais tu peux aussi occuper ta maison avant la fin du crédit. Pour tout contact, agence MB Assistance. Dans MB Assistance Immobilière, Bissonios Fungola Namaboko, Bam Kololupa. Avec MB Assistance Immobilière, clé à la main, tous propriétaires. Voilà, madame, messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ces nouveaux numéros de la semaine, votre magazine HK Today Magazine sur votre chaîne. Merci beaucoup. Nandenge Tobandi, semaine ensemble, Bisonios ensemble. Je pense que vous avez bien commencé votre semaine. Est-ce que tout le monde va bien? Tout le monde a bien commencé la semaine? Est-ce que tout va bien? Je pense que tout va bien. Je peux même le constater à partir de vos commentaires, Nabino. Merci infiniment d'être là avec nous. Est-ce que vous avez bien commencé la semaine? Je vois, il y a d'autres qui n'ont pas bien commencé la semaine. Je me pose la question, qu'est-ce qui se passe? Alors, Esengwamingi, Yakukuta Nabiso, Lissoutsu, Kukuta Nabino, Lelo, les 7 août 2023, pour cadre il y a émission Nabiso, il y a Mokoromo Lelo, Oyekobanda, semaine. Topesi Ango, d'abord Topesi, merci Nabino Nyon, Sondenge, Boza et Bele, Bozo Landa, émission Nabiso, à tout moment. Merci, que mon Dieu vous bénisse, que mon Dieu vous garde. Ape Sabino Makas, c'est bon, continuez toujours, Kolanda Biso, à tout moment. Mais en même temps, n'a souhaité bienvenue na bandeko baye na chaîne Abisso pour la première fois. Alors to tombe bino boye l'amour et puis to souhaiter bino toutes les bonnes choses. Bozala toujours, tozala toujours ensemble. Lelo na sujet auto proposé les bino lelo. Sauf que botali ce sujet dit beaucoup de choses. Regardez les sujets, il se présente comme suit. Tolongolana no ba écrit wana botala bien. Kagame et Katumbi pris main dans les sacs. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui, ça doit vous dire quelque chose. Alors, c'est voilà, c'est les sujets Oyo Tolobi les lotos partagés d'Abino, puisque ce sont ces gens, Moïse Katumbi, Martin Fayoulou, Félix Tshisekedi, Délice Sanga,
Matata Mpogno, Franck Diongo, bah Honoré Kabongo, ne bazo sala actualité politique en RDC. Donc, s'il y a quelque chose ébimi avec des partis politiques, il faut tolérer l'angle. S'il y a quelque chose ébimi, les bandes à Mboka, il faut tolérer l'angle. Donc, Lélo, maintenant, nous avons deux grands dossiers. Deux grands dossiers. Dossier Italie, moi, Mboka, Moïse Katumbi. Moi, Mboka, Moïse Katumbi. Et puis, dossier Italie, Mupaya. Donc, il y a les bandes voisins, Rwanda. Je vais vous montrer des images aujourd'hui. Peut-être les Gossala Bino Biente. Alors, voilà, c'est ça un peu la situation d'aujourd'hui. Mais avant ça, Narosenga, peut-être moi communiquer mon quoi, ok, tout mi balé. Narosenga na bandeko yo, bah, oh, bah, comme on a bango ezo le kao, bah, distributeur tout, il y a Bio Herbs Cacao. Bah, distributeur tout. Peut-être au distributeur à Kanimero na ezawa, ou au distributeur à Kanimero ezawa. Est-ce que au coup que ça de la Ngai Voice après cette émission au signaler biso que osa distributeur parce que nous étions arrivés au moment où il fallait enlever bande de cognons parce que toi banité toi éviter qui fait quoi donc producteur il y a cacao veut mettre de l'ordre biso petolin to tia ordre petolin to sungabino bato bazo distribuer un produit peto sungabino nandenge ya bandeko mususu o baza ba distributeur te mais baza ba consommateur ba yeba que yo zali oza dans tel état et vous distribuez les produits qui aident tous les Congolais la plupart baza qui n'a pas problème bazo pesa ba témoignage nous voulons organiser les choses est-ce que vous pouvez prendre votre téléphone vous êtes distributeur vous me faites un voice honoré suite na makambolobi na émission ça c'est mon voice je suis distributeur et puis OEP bazawate botinda voice OEP ba lingi ba koma botinda voice d'abord o baza déjà bazui autorisation à distribution et pas ya distributeur général donc bon producteur général disons producteur donc tolito organisé to sungabino to sungape bande kwana c'est comme ça que le pays va avancer alors ce qui tozui yote 48 heures vraiment au commun au moins un peut-être numéro noir qu'on a la liste tout est et ça n'a pas été grave parce qu'on cause à la paix promotion la bande quoi église bah on cause à la paix ni la bande quoi quartier bah quoi mais ils appellent bah mususu au balandaka émission au ébani na bangote mais boza bah voisin attend la oh numéro ils a voisin na bisho tika na benga ya bisho que yon anga tous en musicalité zo produit na abimi na voiture aye kuti kela oh toyo zui voiture ok tika la c'est comme ça que to sungaka que nanzela ya chaîne na biso to sunga bande ko nyoso basala mosala na ndenga bien alors chers amis d'abord une très mauvaise nouvelle c'est à l'est de la République démocratique du Congo très mauvaise nouvelle peut-être avant to bandawana to si sana no dossier il y a to lobama muke quelque chose sur la francophonie. Vous êtes sans ignorer que j'ai la francophonie et c'est la RDC. Et c'est là qui, lobby dimanche. Et c'était quelque chose du jamais vu dans le monde de la francophonie. En termes de grandeur, il y a cérémonie de Nessalim. Alors, j'ai suivi beaucoup d'analyses et là, c'est le président de la République qui vous dit sincèrement merci. Merci. Parce que j'ai suivi le président de la République. Naebi ke zana bandeko mususu balingite tobe tellement solongo. Mettre le président peut-être qui était comme organisateur numéro un. Chers amis, sans la volonté. Sans la volonté. J'en discutais avec des gens. Balobino bino bolingi bo déifié, tu sais qu'il dit, qu'est-ce qu'il a à faire dans ça? Félix, tu sais qu'il avait le pouvoir, il y a qu'au boycotter. N'a sens à Koloba que pour des raisons peut-être de l'est du pays, pour des raisons peut-être il y a insécurité, nous souhaiterions donner ces jeux à un autre pays. Et si nous n'avons pas à vendre. Alors, mais il a dit, quel que soit tout ce qui peut être dans ces pays, bah, Mobondo à côté, bah, M23 de l'autre côté, bah, ceci,
tous les rapports qui sont sortis autour, il y a RDC, et Tali Makamoji, francophonie, s'il est arrivé à organiser ça, c'est ce qu'on appelle quelqu'un des nerfs solides. Puisque les commentaires, les rapports publiés dans Katia francophonie, il fallait aux alamoutou un nerf solide pour organiser ça. Alors, reconnaître que Tshisekedi a fait un bon travail, ce n'est pas peut-être dire à Tshisekedi que tu es alpha et oméga. Non. Il a fait du bon travail. Il faut l'encourager. J'ai suivi tous les médias de l'extérieur qui pensent que c'est le premier jeu Oyo et confirmé que nanu na monde il y a jeu et à francophonie, batira la rosalangote. En termes, il y a grand. En termes, il y a kitoko. Donc, on avait à. C'est comme si on avait l'impression que les AG olympiques qui regroupent tous les pays du monde. Mais ici, c'était jeu à francophonie avec une vingtaine de pays ou une quinzaine. Mais c'était extraordinaire. Une chose aussi est vraie. Tous les organisateurs, tous les partenaires AG olympiques, bah, Bossani, il y a quelque part secrétaire général ou présidente, il y a Géolympique qui s'appelle Louise Mouchigouabou. Personne n'en a parlé. Personne n'a parlé d'elle. Absence Nahir, ça n'a rien changé. Et je pense que ça, c'est une réponse au Rwanda qui pensait que je et Salimate à se frotter les mains. Nous avons dit que ce pays-là, c'est un pays mal organisé. Ils ne sont pas sérieux. Ils ne sont pas organisés. Comment ils pouvaient organiser les Jeux Olympiques? N'a qu'aucun été natal à ce que si ça va réussir. Mais les gens ont oublié que, numéro un, il y a Jeux Olympiques, il y a Francophonie, à Zalagana Mondoy. Personne n'a parlé d'elle. C'est comme si c'est Kinshasa qui est à la tête de cette structure et qui a fait preuve, il y a Mounene Naye, il y a Makoki Naye. Et ça, dans l'histoire, il y a Francophonie et Tirela Rosalimade. Il est vrai que ces jeux, c'est une leçon, c'est un message, et les Congolais, tout Congolais, quelles que soient nos divergences politiques, ethnico-tribales, tout ça, régionales, il fallait que tout Congolais se frotte les mains pour dire oui, nous l'avons fait, oui, nous leur avons donné des leçons. Mais je vois d'autres publications, quelqu'un dire, quel que soit tout ce qui est arrivé derrière Jeux Olympiques, Tshisekedi n'aura aucune chance de qu'il arrête d'abord de profiter de quinoa derrière les Jeux Olympiques pour se faire un deuxième mandat. Nana le Seigneur. Makambo, il y a un deuxième mandat. Ils ont comment on a Jeux Olympiques pour Nani? Non, il peut tout rêver sauf politiser les Jeux Olympiques. La fin de peut-être la fin du monde s'approche ou est proche. Tout font la mitema, tout l'ont la bilo courant. Puisque dans tout ce qui est resté comme infrastructure, tout, je ne pense pas que Tshisekedi va prendre une partie à même bien on a Kabeya Kamanga. C'est planté na Kinshasa et tout celui qui viendra na Kinshasa à créer un complexe sportif na Bisso. Il s'est dit que je suis dans la capitale, la grande capitale francophone du monde. Arrêtons Makambo à élection. Mais même ceux qui sont dans Makambo à élection, moi je suis sûr, na Loti, na Lobby, na Moni ba Pessi Martin Fayoulou a remplacé Denis Kadima. Mais au Ndoto ya Marc Nin. Martin Fayoulou, il n'est pas expert na élection. A remplacé Denis Kadima. Na Moni, Martin Fayoulou a remplacé Denis Kadima. Ce qu'au jour, il y a publication et résultat, Martin Fayoulou publie Félix Tshisekedi. Alors, Mais j'ai compris que Ata Bapesi Seni, Bapesi Amana Martin Fayoulou, lors des élections de décembre 2023, s'il faut qu'il publie de vraies élections, il publiera Félix Tshisekedi, président de la RDC. N'habitez pas quel miracle il changera. Parce que
la réalité des choses sur terrain. Et ça, mon ana. Même Bandeko Bozoloba, ne soyons pas de sentimentalistes. Tout le monde a le sentiment, je ne vois pas quelqu'un. Ça, c'est mon analyse personnelle. Je ne souhaite pas influencer votre manière de voir les choses. Je ne vois pas quelqu'un qui pourra renverser Tshisekedi en décembre, va voter Moutouana plus que Tshisekedi. Même ceux qui ont profité dans ce maillage olympique, Tshisekedi est en train de révolutionner les choses. Et le monde dit que c'est pour la première fois. Toutes les histoires que Tshisekedi a sur la RDC, posez la question aux jeunes, ils vous disent que pour la première fois. Bon, quand il y a un centre financier, il y a le ministère des Affaires étrangères. On a fait 18 ans ici, l'immeuble est toujours reconnaître. Et ça, immeuble intelligent. 18 ans, immeuble Yamalonga, immeuble intelligent. Mais bon, il y a un immeuble intelligent. Ce que vous dites, mais sur le tout, il y a un immeuble intelligent. On peut construire un immeuble intelligent à Ndengo en Ata 12. Tout le monde a un immeuble Moussousou, Kabilake, Zoua, Libanais, Asiatique, na gare centrale na droite. Til, Elo, Ezawana, Mbongo, et les cas n'ont pas assez simple tout ça. Mais ce qui est dans le quartier, donc centre financier, il y a Kinshasa, vous allez trouver des immeubles, il y a 25 étages, et puis dans un temps, décembre est aussi, donc dans 4 mois ou 5 mois. Et tout le monde qui passe par là dit que nous sommes dans ce pays, on n'a jamais vu ça. Et tout le monde toujours se dit, Tozara na un service national, Tozara na toujours mon ababi, tout ce que Tshisekedi est en train de faire. Il y a des gens qui se disent que nous, on n'a jamais vu ça. Que ce soit en termes de mobilisation de fonds, que ce soit en termes de partenariat, que ce soit en termes de diplomatie. Alors, quand vous prenez, moi on a 4 ans, avec moi on a 18 ans, Bazobunda. Bon, enfin, peut-être, c'est comme ça, moi j'ai toujours dit qu'il est très difficile de remplacer un médiocre. Il est très facile de remplacer un médiocre, on peut se distinguer. Mais si vous remplacez un meilleur, un excellent, vous avez du mal à vous démarquer. Et là, c'est le contraire maintenant. On remplace quelqu'un qui a fait 18 ans, on voit son bilan, et celui de 4 ans, on regarde et vous voulez que peut-être aujourd'hui Kabila à la barre, tu sais qu'il est à la barre, bah qu'il na isoloir bah voter. Attends Yomoko. Et Yomoko il faut tout ça rappeler hein. Tout ça rappeler analyse pendant ya Kabila à Zongi. Peut-être il va nous surprendre d'ici 2 mois. Non, le mois prochain, jour il y a dépôt, il y a candidature, il y a bah président de la République. Tout ce trois beaux Joseph Kabila candidat. Bah qu'il na Félix Tshisekedi na finale. En tout cas, je pense que Eza Mamouke, moi Mouke pas si. Mais ce que je peux dire ici est que, d'abord, je salue ici la fondation Eric Mukadi, qui fait aussi des choses comme Ndenge, le président de la République, Azosal. Je vais vous montrer qu'est-ce que ce monsieur est en train de faire. Chers amis, Namon a rappelé, Batumusus Nakata Libanda, Baocha Makelele. Mais j'ai découvert des Congolais qui font des choses. Un silence moko inimaginable, mais au condimenté, qu'est-ce que les Congolais sont en train de faire? Vous devez vous parler de cette fondation peut-être dans les prochaines émissions, au courant de la semaine, et tout le monde est sur la voie de Félix Tshisekedi. Donc, moi, je peux confirmer que Félix Tshisekedi peut se dire fier. Il y a des Congolais qui l'accompagnent dans ce qu'il fait, et c'est, les Congolais sont restés très marqués par rapport à ça. Alors, j'ai de la francophonie. Tochango Pembeni, c'est le Congo qui a gagné, ce n'est pas Félix Tshisekedi. Mais awa pena yo ki pe discours de naye alobi, ça confirme encore notre détermination et notre existence dans cette structure. Moi, je pensais que le président de la République, au Sali, au Bongi Sige Olympique, Ndenezabou, des millions et des millions de dollars, d'abord, va accompagner Bissoté, comme les règlements le disent que. Une année, il y a préparation. C'est une année, il y a campagne par les groupes France Média Monde. Ils n'ont pas fait ça. Au Salangou Yomoko, pas une contribution peut-être des pays tiers. Balobi, Gedzoua, Misolo Kotisa, Bongisa. Tout le monde attendait voir l'échec. Et vous avez injecté de millions et de millions dans cette histoire. Et si Liboué, il fallait qu'on s'attache chantage en France.
pas qu'on confirme que non, la France, nous sommes là, nous allons confirmer. Non, il y a des savants qu'on a pu faire ce qu'on pouvait et on se retire. Puisque tu as dit que retirer la vision de la francophonie, c'est une chute libre de la France. Nous sommes le premier grand pays de la francophonie. Mais Tozatana, aucune structure décisionnelle, il y a francophonie. Aucune structure. La RDC n'est pas là. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Ou soit nous leur imposons que le secrétariat général éthique à la permanente pour la RDC. Nous sommes le grand pays et nous sommes en mesure de faire, nous l'avons fait et le monde a compris qu'on peut organiser ces choses autrement. Tu as imposé Bango que le secrétariat permanent est à l'abisso. Rwanda, qui a la direction de la francophonie, a obligé tous ces médias de ne pas parler de Kinshasa, de ne pas parler de jeux de la francophonie. Bota la chaîne tout à Rwanda. Aucune image, aucune photo. Le mot d'ordre a été donné. La France, vous avez donné ça de l'autre côté. Les Rwandais ne peuvent pas. Les Rwandais dirigent. On ne dit pas que c'est un pays membre. On ne dit pas que c'est un pays membre. C'est un pays qui dirige la francophonie. Baboy codifié puisqu'il s'agit de Kinshasa. Et nous allons toujours nous courber vers le Rwanda pour nous repenser à Sapatu, puisque les Rwandais nous dirigent dans la francophonie. Monsieur le Président, il fallait vraiment brandir une carte rouge. Tout ça, c'est ce que nous pouvions. On se retire momentanément. Topé Manano Tokanessa, si nous allons rejoindre, oui ou non. Et on s'arrête là. Au moins, on va couper ça. Vous savez, dans le Conseil de sécurité, il y a 5 membres permanents qui ne bougeront jamais. Il y a 5 membres permanents qui ne bougent pas. Mais Bissot, nous sommes les grands dans la francophonie. Nous ne sommes même pas dans une des structures décisionnelles. Et nous continuons à glorifier la francophonie. Pour quel intérêt? Il fallait qu'on parle de ces histoires. Ce qui va parlementaire beaucoup siéger sur ça. Prenez une décision. Même à taille une année. Total, où est-ce qu'ils vont aller? Tous les petits pays là, les Bénin, Côte d'Ivoire, les Barco Sangana, ils n'arriveront pas. On peut prendre 5 ou 7 pays. Barco Poussa Nata na cheville à RDC. Na terme ya mounen na ba. Alors, est-ce que tu zoye ba mounen na biso na kata francophonie? Na ebite. Merci beaucoup, chers amis. On évolue. On évolue, c'est avec cette nouvelle, vous l'avez suivi. Il y a un scandale qui est sorti du côté Moïse Katumbi. Parlons-en. Bolandaki, Madame Monongo, honorable députée, sénatrice ou... Non, députée. C'est son frère qui est sénateur. Sénateur comme roi ou chef coutumier, il a été coopté na Sénat. Abimisi décision naïe la semaine dernière, quittant Ensemble pour la République. Mais s'il y a des gens sur qui Moïse Katumbi comptait, c'est cette dame. Parmi les bras droits. Les Abimisi décision, comment dirais-je? Les Abimisi lettre naïe. Je me retire de Ensemble pour la République à l'approche des élections, là où il faut travailler, coordonner les énergies pour que Katumbi Abima, président de la République, vous retirez du parti. Est-ce que nous nous sommes posé des questions? Est-ce que vous accompagnez Katumbi na élection tout en étant en dehors du parti ou accompagné dans le cadre familial ou au cause la musique? Na campagne naïe, na ensemble naïe, on se retire, et puis Katumbi a joué pouvoir, a koya koukanisa, qu'est-ce que, ni nango e kaboli bino? Je pense que Bino Pebo se pose question. Tozo lande la dossier na sima. Total a boya lobby, pour des raisons de santé, je ne suis pas prête à continuer ensemble. Raison de santé, mais aucun dara parlement. Raison de santé, Yosa, secrétaire général, tu n'es pas appelé à tenir des réunions chaque jour.
Tu n'es pas appelé à faire les tours de la RDC chaque jour pour tenir des meetings. Tu n'es pas appelé, tu ne gères pas les finances, peut-être ma comptabilité, ma chiffre et l'équipe. Comment est-ce que pour des raisons de santé, tu dois te retirer? Et tout le monde, nous avons compris que le quota. Vous comme moi, tu comprends que c'est le quota. Alors qu'il y a quelque chose. L'air de lobby que les gens ici sont primés dans les sacs, c'est que il y a à boire et à manger. Togolo Belango, un peu de manière séparée entre affaire Moïse Katumbi et affaire Paul Kagame, mais dans les sacs. Tolali Tolamoki, Tolali Tolamoki, Ndenge Tolobaka, Mwasoyo, Sonaye Ebimi, Asali Voice. Adala Kosali la Voice, Ndekonaye Moussous. Na Voice, Azo se plaindre. Alobi. Ngaï, je suis, Naza fatigué, na lembi. Na lembi, puisque, et dans na Voice, naye, Azo talisa que, Azala Kospesa Moïse Katumbi, Maboko, mais Moïse, Azaï ko considéré été. Ezala ki loko la eloko ya famille te, mais c'est comme si quelque chose abimisaka on ane nga famille pour na ko couvrir. Dans ces voices là. J'en ai ici Togochango, toutes ces parties importantes pour que Boyoka. J'ai compris dans ces voices que il ne s'agit pas d'une affaire familiale. Tosali bongo pour na ko couvrir et nous avons couvert. Mais malgré notre couvrir Nabiso, j'ai compris que elle a compris plus tard que Azaïko Salamou Salamoko a ébité Soka Kosa la récompensé oui ou non. Alors elle a famille et Zala qui wanate. Donc Tambour Batan ou Babetele Biso le Solo Baza famille. Yéaza neveu, Sokianga, Baza ba neveuté. Et la histoire montée pour que Basokola, Moïse Katumbi. Ça, c'est une chose. Deuxième chose. Azo regretté à Yébissi Abi, Nana Yébissa Katumbi, pourquoi au longue Kabila avant? Vous êtes parti trop vite. Ayokela qui était. Mais, peut-être ce qu'elle n'a pas dit, peut-être Katumbi a bêté la solote. Puisque les problèmes où il divisa Katumbi, na Kabila, ils ont pouvoir te. Ils ont que non, puisque Kabila voulait un deuxième mandaté. Ils ont que Mbongo Kabila a Katumbi sur un dossier iranium. La personne qui a donné l'accord, c'est Joseph Kabila. Katumbi va vendre ses matières en Asie. Atikala kozonga la Kabila te pour repasser des tours. Soki boyoki Kabila benga Moïse Katumbi. Jida, Moussala Sala Ezak, bazo lia bazo mais l'ensemble na Jésus. Mais na monte manaya ebaki ke moto na otekaye. Moto yo, naza na yete, sûr. Or Kabila, c'est ça qui est confiance, nous. Si vous savez ce que Kabila a fait, c'est Kabila qui a fait de Katumbi ce qu'il est. Puisque les raillés a pécié province à Katanga Nyoso. Et après, Katumbi maintenant, à l'obibo, Katumbi a profité sans que Kabila, l'initiateur, ne soit pas bénéficiaire de ça. Mais Naibite Nenge va se pardonner ici. Ba yokani na ndengeni. Est-ce que Katumbi a pesa kimbongo ya Kabila? Tonin, c'est ça le problème. Kabila comprend que c'est un traître. Et puis ba keikuna ba ke yokana babi, il faut te faire sauter Kabila. Kabila yokani abino, lokola batunyo soye na bango, mbongo na nga oké pesa bango, osali clic na yo, je vais faire un code minier ya sika. Na code minier ya sika wana, Kabila enlève tous les avantages o ya pesa ki na batuna ye. Les codes miniers bimi, batoua Kabila Moussous, bazo collaborer na Katumbi,
bah Pessier, Katumbi passe Balobi, il y a une bombe Zoya. Vous n'allez plus vous retrouver. Ne bah toi na bah côté na clique na bah on babi, Kabila doit partir. C'est pourquoi Monique Katumbi a bimaneti un petit Moïse, bon enfin un petit Dieu, alors que Ezaki Kanda ya que Kabila a botoli biftek na bah onyons. Kabila Balobi, oui je dois partir mais le code minier doit être publié promulgué. Après code minier on a mis lelo na milelo na kaya Moïse Katumbi. Ne besoin de décision, il y a qu'à faire sauter Kabila. Alors, tout ça, moi, je suis allé quitter. Quitté. On dirait que ça a longue, na a perdu 40 ans, il y a longue pour des raisons. Non, ce n'était pas ça, Maman Mounongo. Alors, maintenant, nakata alobi, nga ikutu mutu na sali, moussala makasi, mais bango baza préoccupé plus na makambo ya ba naku, na makambo ya ba, ya ba, ya ba mbongo. Et puis, on a cité pe, mo, nani, Francis Kalombo. Alobi, bazo écouté plus au batonaye, Kengai. Elle regrette, Moussala Sali. Et puis, dans cette même, dans ce voice, Azo la crise que, moi, ma déclaration en Salakawana, c'est travailler na kate à partir na bango. Yo, yina nan ba kasayen, yo, teleme la ba kasayen. On sait comment on va gérer cette situation. Puisque quelque part, à l'obiboy. Non, chers amis, la politique est bizarre. La politique est Zamabe. Et maintenant, dans la voice, je comprends qu'elle est plus Pembenia Samaloukonde que Pembenia Moïse Katumbi sur le plan familial. Et en même temps, Batouana. Oh, il y a parti, na y a parti, na y a parti, na y a parti, y a yebite. Et même Moïse Katumbi aussi. Puisque, na son na ye, il semble que même Batu à Moïse Katumbi, ils sont payés. Ils les touchent de l'argent, na boutou, na gouvernement, Samaloukonde. Moi, na nabang. Elle ne se retrouve nulle part. Même Bibilo, tout bozo, ka Katumbi, a zon matazo, kita, a zon loise, a yebi que, il se retrouve dans ce gouvernement, et oyoti lelo. Mais bisonde bayaka kotuye la biso discours mususu mais bango na butu baliaka et loko ekaboli bango yango wana. Alors na ebite si Moïse Katumbi et toute son équipe aura un autre discours yakoya ko pesa biso sur les plans. Bon, ça c'est bon, tous les nanos peut-être ils vont nous inventer un truc. Il y a bango discours surtout à Moïse Katumbi, c'est que je ne peux pas aller en retraite. Pas, population n'a pas si bon, il n'a aucun été. Je dois rester, faire la politique pour aider la population. Discours de Mobima Yawan. Population a dû souffrir, il n'a aucun retraite. Pour lui, il faut utiliser mon souffrance pour qu'on pousse à la paix des Congolais. Ah, mon lobby a dû conseiller sa vie souffrance. Pourquoi ne pas l'aimer? C'est ça. Alors que tout ça, c'est de la démagogie et c'est du mensonge. Donc, il y a une affaire place au Yo. Nous sommes en train d'étudier tout ça. Il y a beaucoup de problèmes. Moïse Katumbi, aujourd'hui, c'est connu qu'il est dans ses gouvernements, mais il ment même Félix Tshisekedi. Naibite, comment ils font? Monsieur Tshisekedi, il n'est pas. Mais Naibite, Azolo Belamabete n'a. Na Félix Tshisekedi n'a le belaka mabé na Kabila. C'est là où j'ai compris que Samaloukonde a côté qu'elle a été tentée. Yo zo futamawa. Ko loba mabé te na Félix Tshisekedi, puisque aussi mate. Et à ce niveau, Samaloukonde aussi, comprenant tout ça, il comprend plus tard qu'il y a un plan, puisque dans leur plan, ils veulent faire tomber un notable Yamounene. Na grand Katanga va faire tomber. N'oubliez pas que côté Koboma, na grand Katanga, ils sont champions ces gens ici. Baba Kyungu, Akufa, Liwa Yanzambe, tu as prévoir que Lelo Yayo Yangoyo, Kende. Baba Kyungu Akufa empoisonné. Na Betelabino Lisolo, les mêmes jours qu'il a été empoisonné, les mêmes jours son fils a été empoisonné. Bakena en Afrique du Sud, à Katani. On veut
encore créer un chaos d'ici là. Mais on ne peut pas aussi accepter que Batunabiswa Minene, les grands leaders, Balongwarabasilaka, Likolo est un groupe d'individus pour leurs intérêts. Qui est prêt à accepter ça? Qui est prêt? Qui est prêt? En tout cas, tala, bo ma civil ndenge bozo bo mawana, mais boko matina niveau, ya kolongwarabiso ba notable. Netisan à l'okonde, même si. Donc. Vous avez des problèmes, bolingi teke non, bolingi bobebisa, makambo entre les Katangé, que, oh, y a biso le roi la Kofi Toko Kabo, ils veulent passer à une vitesse, je ne sais pas moi quoi. Mais yozo li an a gouvernement, ozo sala makambo bo na gouvernement, biso ba msous toko mon honneti, serpent, hein, démon. Chers amis, il faut agir autrement. Si vous constatez tout ça, que ezo y a likolo a un groupe d'individus, faites tout. Ce que ça trouve, bocha pétrole, na trou, bocha moto, comme ça, oh, ils en a quatre zika. C'est ça. Bocha moto, oh, ils en a quatre zika. C'est la moindre des choses. Il y a des notables Katangé qui vont tomber. Et ils vont tomber pour qui? Pour quelles raisons? Des petits intérêts. Il y a pouvoir, il y a affaire, tout ça. Ce qui m'a dit, c'est que je suis un peu moi, je suis ministre de l'Intérieur à Kenda. Nani m'a dit, d'accord. Et ce qui m'a pas un Katangé maintenant à Koufa. Puisque ce sont des révélateurs, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Chers amis, peut-être je vous amène d'autres détails demain. D'autres, il faut tout l'amba, on a un laboratoire, tout à la qu'est-ce qui se passe au juste. Donc, maman Monique, Akenda, Akei. Et naïvité comment elle va changer le discours, puisque yé bazalek ko utilisé yé kabola ba kasayen kabola bang. Longola bango yo zalaneti. Maintenant là, elle se sent seule. Malgré Moussala Sassali, biso tout aussi to monye le kola mutumabe. On reviendra sur ce dossier. Et zaneti numéro 1, il y a dossier. On va revenir. Mais Moïse Katumbi et donc Batye Penda Libanda. Libanda Balongolie Bilamba. Que ce n'est pas la politique. Oh, biso tout monde a vieux Tshisekedi. Bah ça la ba politique. Bah vieux Kungu. À un moment donné, il était dans des manipulations, mais il s'est ressaisi. Bah vieux Kibasa. Bah ça la politique, il y a normal. Mais oh yo yo, nazo mon la politique mon gozao. Total en anoti, peut-être le mois prochain. A déposé candidature, tu vois, Tobi Misa, tout. Tobi Misa va congolais que Moïse Katumbi ne mérite pas de diriger la RDC. Sur tous les plans, dans tous les secteurs. Oui, Moussous, c'est Tikali, mais on se la bat à candidature. Dès que Batché candidature, posez-moi la question, Honoré Bibinsa. Naza Banqueté, il faut Tobi Misa. Et les Congolais doivent être vigilants sur toutes ces questions. Alors, allons à l'est de la République. À l'est de la République, chers amis, pour parler de la question du Rwanda. Le Rwanda est en train, c'est le sujet même. D'abord, il y a cette réunion. Museveni a annoncé cette réunion. Ce n'est pas vraiment grand-chose, mais ça nous intéresse puisque on parle. Ils se sont retrouvés, lobby, avec le président, il y a Kenya, qui est chargé, il y a Makambu, il y a RDC, Basololi, au cours de leur réunion, c'est la RDC. Mais je me pose ici la question. Comment vous pouvez vous permettre, les facilitateurs, bien sûr, vous pouvez vous permettre de parler faire une grande réunion sur la crise en RDC sans la RDC autour de vous. Est-ce que nous, on peut continuer à vous faire confiance? Ils sont là. Ils ont dirigé une grande réunion. Une grande réunion. Le seul sujet sur leur table, la RDC. J'ai vérifié dans cette salle. Je n'ai pas vu Elongi à RDC.
Je n'ai pas vu Elongi Moko ya RDC place. Peut-être Bad Bilongi Asika na monité. Mais j'ai des informations comme quoi ils se sont permis seulement ya yambi Uhuru Kenyatta na batuna ye na bato Uhuru bazolo bela RDC. Qui vous a dit que vous avez les droits de parler de la RDC sans la RDC? Est-ce que Toyebi Museveni, Toyebi bien? Je vous ai montré une vidéo ici. Oui, il minimise à l'obi dossier à RDC. Il condamne Félix Tshisekedi Abi, Tshisekedi Nde Azamabe. Nazui demande il y a M23. Et l'eau à Malonga Bazo Senga Zat. Bazo Senga seulement Bazo dans le village de Bango. Et puis Bazo Senga va intégrer Bango l'armée. Et l'eau à il y a grave place en Ezanine. Pour lui, c'est vraiment. Et l'eau à Pété, il n'y a rien de grave là-bas. Et vous venez. Oyokiye et Sili, Boyoko soit décision sur la RDC. Est-ce que Museveni va vous dire un avis contraire? Museveni, c'est le 23 lui-même. Donc, chers amis, je pense que toutes ces histoires, il faut étendre à Bissoto Zouakamakanissimousous concernant la situation en Boko. Le M23, puisque c'est de lui qu'on parle ici, a fait une entrée, une expédition punitive, on peut le dire, dans le village Bouito, nous sommes dans l'est de la RDC, et ici, il y a le chef du village, non, chef de un notable de Rutshuru, qui nous fait les comptes rendus. Ils ont tué, ils ont pillé un village hier, et c'est très, très, très triste. Je vous partage ça. Il a échangé avec l'équipe HK Today. Peut-être ça peut vous donner une idée. Vous allez comprendre et que nous continuons toujours à souffrir. Ce dimanche 6 août 2023, les rebelles terroristes rwandais du M23 ont encore une fois massacré la population civile, dont parmi les femmes et les enfants. Ici, nous sommes dans les groupements Tongo, localité Tongo, village Marangara. Nous signalons que c'était vers 3h du matin où les éléments ont fait une inquisition dans cette localité et 9 corps ont été retrouvés sa vie aujourd'hui matin, plusieurs maisons incendiées, plusieurs billets de valeur et bêtes volés et nous signalons que plusieurs kiosques ont été pillés et vandalisés. Et nous déplorons vu que dans les Bouito Sud, aujourd'hui dans les groupements Tongo, Bambou, Bichoucha et Gihondo, les massacres des populations civiles sont toujours signalés chaque jour et sous l'œil impuissant des militaires de l'EAC. Pour dire, les militaires de l'EAC ne nous aident à rien. Nous voudrions voir les remplacements avec ceux de la SADC et du coup, nous voulons voir la montée en puissance de nos FRDC pour assurer le retour de la paix sur toute l'étendue des zones sous occupation. Et nous rappelons aussi le gouvernement congolais qu'il est encore gratta de quitter les tables de négociation puisque la paix ne viendra pas de l'Angola ou de Nairobi, de Bujumbura d'ailleurs. La paix reviendra de la montée à puissance de nos FRDC. Pour dire, nous voulons voir la montée à puissance de nos FRDC qui sont aujourd'hui, qui combat aujourd'hui aux côtés de Wazalendo, qui sont prêts à chasser l'ennemi hors d'état de nuire. Voilà, puisque nous parlons de Wazalendo, il y a un phénomène spectaculaire que le Rwanda a fait. Nous avons dit les Rwandais mettent dans les sacs. Regardez ce qui s'est passé dans l'est du pays. Chers amis, les Rwandais nous font du mal. Les Rwandais, tikala na nokoye ba ilokote, kondimari ilokote, qu'on reconnaître ilokote. Mais, Dieu merci, les Congolais sont très vigilants maintenant. Nasina betelabino lisolo analobi. Les Rwandais, tous les militaires qui sont utilisés en RDC, c'était d'abord soit des Congolais, non, des Rwandais qui ont vécu en RDC, soit des Rwandais qui maîtrisent la culture de certains villages et ils reviennent. D'abord, la première image. Je vais vous montrer cet officier, un officier rwandais. Un officier rwandais, Soko Botalier. Cet officier rwandais a servi au Rwanda. Quand on dit officier, Azamutalikolo. Lelo na maboko, il y a les Wazalendo.
Les Wazalendo, comment ils l'ont eu? Naibite, est-ce que les Rwanda ataba wanga naka? Un jour, Mogo le batte que oui, Mutuana Zamutu, mais Bandi Maka, Bakena Rosenga Kana, Uru Kenyatta, Tona Lorenzo, Bosenga Kinshasa, Tinde la Bisson Mutanabis, Bakanga Kabango à tout moment. Regardez comment on a arrêté celui-ci. Je vous partage les témoignages de Wazalendo. Comme ça, va expliquer Bino, Nenin Bakangi. Et puis, comment il travaille? Quel est le mode opératoire à Rwanda? C'est vraiment regrettable que Mboka Yaboye continue toujours à tâte de dénoncer Ndengenin. Écoutez ce qu'on nous dit dans cette courte vidéo de Wazalendo. Merci beaucoup. Moi, c'est Jules Moulumba. Je suis le président du CNCFDP, communicateur de la plateforme des résistants pour la défense de la patrie. Nous avons fait appel à vous de la presse parce que nous avons une communication très importante à porter à l'opinion tant nationale qu'internationale. La personne ici que vous voyez, qui s'appelle Kubuimana Élisée, c'est un sujet rwandais. Un sujet rwandais qui n'est pas ordinaire, ce n'est pas un citoyen rwandais ordinaire. C'est plutôt un citoyen rwandais qui a été enrôlé au sein de Rouge Urunana, ces mouvements opposants à Kagame, n'est-ce pas, qui est décidé aussi des FDLR, on s'appelle aussi des FDLR Rouge. Depuis 2012, il était leader militaire, depuis Walikale jusque dans le Rutshuru. Et par la suite, il va déserter pour se rendre à chose en Ouganda, où il a ses parents. Et à partir de l'Ouganda, il sera recruté par le service spécialisé de Kagame, qu'il a appelé DAI, je ne sais pas ce qu'il a dit, moi je pense que c'est DMAI, c'est ce que je connais. Et de là, il sera amené au Rwanda, et puis au centre Mutobo, où il a eu la mise à niveau, donc refresh à cause, comme ça qu'on parle en anglais. Et dès lors qu'il a fini cette formation de mise à niveau, il a encore été réinjecté dans l'armée des réserves rwandaises. Et à partir de là, il a exécuté des opérations spéciales. Il venait de dire qu'il est venu jusqu'à Bunagana, quand la force rwandaise était sur place avec les FRDC de manière camouflée, avec deux volets, le volet opérationnel et le volet infiltration, n'est-ce pas? Parce qu'ils avaient une mission d'appréhender un certain Rutabana, un opposant rwandais exilé qui travaille avec Kayumba Nyamwasa. Ils ont mis en place les mécanismes et il avait fini par mordre à la maison, il a été appréhendé. Après ça, il est revenu, ce monsieur est rentré au Rwanda. Et maintenant, dernièrement, on lui avait confié une nouvelle mission, devenir, n'est-ce pas, recruter à nouveau un mouvement au-delà du M23 qui pouvait se présenter comme un mouvement de résistants patriotes, mais qui travaillait directement pour les comptes du Rwanda. Il a même cité un certain Mouchoma, je le connais, il est originaire de Buto. C'est un déserteur de chez nous depuis 2013. Il est fui démobilisé, il était à Kamina. Et je pense que même maintenant, il est dans la vie courante à Goma. C'est lui qui était prédisposé à créer une signe histoire dans le sens du patriotisme, dont l'objectif principal était de suppléer le M23, c'est-à-dire en nous attaquant, nous par les dos, mais aussi en attaquant les opposants armés de Kagame qui sont sur le sol congolais. Je pense que c'est comme ça qu'il s'est expliqué sur le point d'audition et dans ce qu'il venait de dire dans votre speech en Swahili. Vous comprenez que Kagame Paul ne dort jamais. Kagame Paul ne dort pas. Mwana mobali oyo, malgré tout ce qu'il a fait, Kende Zonga, cette fois-ci, accueilli Bazongi en tant que Congolais pour créer un mouvement d'autodéfense parallèle na Wazalendo, mais idée na bango ezalaki que ba recruter pe ba jeune belé, ba sali pe nini, ils défendent la terre congolaise en disant nous allons aller marcher même jusqu'à Kinshasa, nous devons mettre à côté le M23, alors que ce n'est pas ça le discours. Bisso, venez, nous sommes un mouvement d'autodéfense, nous allons manger le M23, Yamobesu. Alors que ce n'est pas ça. Les raillés, abandiko ça le recrutement naïe. Baza et Belé, ba déserteur, Moussous, ba Congolais, recrutés, qui sont à Goma, qui sont actifs aujourd'hui en civil. Ne les Bayekoko, les Wazalendo comprennent le mouvement, Bayekoko Kangaye, va se rendre compte que
Moto à vous, tout. Alobi, voici les plans, voici les plans. Je dois recruter autant de personnes. Je ne suis pas seul. Je suis avec XYZ et même d'autres au sein de l'armée nationale congolaise. Mindou Kinde, il fallait où Takona. Donc, Bazana FRDC, état-major général, état-major général, Katia Nord Kivu, et c'est qu'est-ce qu'il fallait passer à Baron Mindou. Au même titre que Ndenge Bazo encadré les Wazalendo, Ndenge Pe Bako encadré Bango, et à un moment donné, Baya Kobaluka na Mukongo ya Wazalendo pour les exterminer, et puis qu'on fonge la boulevard, Bale Kasoki Goma, Bale Kasoki Massis. Est-ce que vous comprenez les plans de cet homme? Est-ce que vous comprenez les plans de cet homme? Au besoin de l'Axamino, il est à quoi l'Axamino minuté? Bravo, Wazalendo. Mais regardez comment ces gens font. Les Baïb Sarabino, Tomoni Bango, Bazo Katisa, Tomoni Bango. Regardez Bazo Katisa Rosizi. Les militaires, Bazo Longo la tenue, Bache na Moto, Baza Banageur, Ba Katisa na Maï, Oeza Histoire, c'est Nazo l'Axabino image. Et ces gens, Bazo Kota, les Bakatisi, Bazo Ngisisko tenue na Bango, ou soit Babombi tenue militaire na Se, Lati Likolo tenue, Yaba civil. Moussala Nabango, Koko qui s'en nombre et Sengeli pour attaquer la RDC. Mais ce que tu es bibino sur toute la ligne. Bogosala, bon, enfin. Et je ne souhaite pas vous montrer la suite, mais Bolandanano, Oyo, vous les avez vus. Ah, Bazo Katisa. Un moment, je vous montre. Et puis vous allez dire quelle est la suite. Regardez ce que ces gens font. Ah, Bazo Katisa, de manière clandestine, des militaires, Bakatisa, Bakota na RDC. Parce qu'il faut attendre 50 par jour. Il faut ce qu'on a l'Axabino, on a l'Ongolanan, oui. On a l'Axabino, comment ces gens sont en train de nous piéger. Ils entrent par tous les moyens. Par tous les moyens. Dengue Bamouniwana, Oyazana Sima, c'est un militaire. Oyazana Soukawana. Nangambu, en tout cas, félicitations, Nandeko, pour la caméra, Naye. Zoom na ye la kisibiso makambuke batoyo. Non. Il faut que pesa batou na biso bazana ba frontière. Zoom ya milayi eko filme ata 200 mètres. Na minute ba ebite ke bazo filme ba. Il quitte de l'autre côté. On estime à peu près 50 par jour. Alors, ce qui ba ye, oyazana souka, c'est un militaire nan a longoli nan bilambate. Et ils arrivent. Balongoli, alongoli siko bilamba, bakatisi. Alors, nakokatisi siko na bango. Alors là, vous êtes en train de voir, Owana qui enlève sa tenue militaire, la sabino mususu, bazuye siko très bien. Et voilà, ils savent que bazo filme bangote. Biloko ezana mitu, c'est leur tenue. Avec Bilamba, donc Bazana Bilamba Mibale, tenue et les habits ordinaires. Vous pouvez voir même dans les discussions de nos frères. Akuna Kintu, Akuna. Donc, ils entrent, ils ne sont pas des commerçants, puisque Bazana Biloko à côté de la RDC. Ils ne sont pas des commerçants. Mais ils traversent. On m'a dit que les caméras, ils ont dit que les gens ont évité que les gens filment ça. Alors, donc, vous allez vous rendre compte que. Merci beaucoup. Merci aux services de renseignement qui m'ont donné ces vidéos. Moi, je vous encourage, chers amis, les Naïb Sarabinoir que tous sont à Bandeko Baza na Zamba wana. Oh, vous attendez na Zoom moko boya munene ya bien caméra Canon moko. Vous allez sauver le pays. Les Bakatisi et ils viennent se retrouver entre les mains
des forces spéciales de la RDC. Ce que tout ça, basa la nabaroni. Batali bango, de militaires bien formés. Ce que basa la nabaroni, puisque moi, je suis fatigué. Il y a question que non, ma proposition est que il faut qu'on filme bango les égorge. Ma proposition, c'est ça. Puisque vous allez dire que je suis un sanguinaire. Non. Moi, ma proposition est que bakangi bango nengo na bakatisi ba yetu. Ba identité na bango nyonso eza, ba tenue na bango eza, ba makamu na bango nyonso. L'essentiel eza kokata bango mito. Histoire pe esili ba zozela. Puisque je vais vous montrer les bon enfin tout temps na biso ekoki. Na lingana la Xabino colonne. À peu près au moins, bah avouez que ceux qui tocat ici, c'est à peu près 50 minimum par jour. Ceux qui baillent directement, et vous allez bien. Bah, nous sommes à 4 places. Na butu, na mai, bah 4 pendant que les gens dorment, bah la moque, bah comme il bateau village, ils se dirigent de gauche à droite, ils rejoignent leurs frères bergers, bah coco maga bateau à Ninouan. Minduki, ils allaient déjà na RDC, yango beaucoup de temps na ferme ya Mwanga Chuchu avec les autres. Mais on se pose la question. Si c'était vous, baye bakwei, puisque bakatisi baye, batubayambi bango baza FRDC. Dites-moi, qu'est-ce qu'on peut faire de ces gens? Proposition. Namoni ne komoko alobi. Non à. Totika violence pour nako. Cosmisa la violence, toute la justice, à salam sala. Oui, c'est bon. Moi, ma proposition est qu'il faut qu'on kata bango mito. Il faut qu'on kata bango mito. Mais bon, tout le monde a sa proposition. Quelle est votre proposition si ces gens traversent bakwei na maboko na yo? Comme ndeng bakwei na maboko à FRDC. Vous voulez que basa la bangonine, par exemple. Vous voulez que basa la bangonine. Et ça, c'est un RDC. Alors, je souhaite que tout à l'heure, ce qui va se passer, n'en a pas sa paix en commentaire, Nabino. Qu'est-ce que vous pensez? Il y a une autre colonne. Bazo, il y a Moko. Alors, les Rwandais, moi, je pense que les Rwandais, Bolukata moyen. Est-ce que vous pouvez oublier la RDC dans vos histoires entre nous? Est-ce qu'il y a possibilité à Kubosa la RDC? Peut-être que personne n'a mouto à Pesabino conseil à bien. Est-ce qu'il y a moyen avec tout ça? Parce que ça nous révolte, et comme ça, nous sommes démons. Netinga. Image à Boye. Et comme ça, nous sommes démons. Est-ce que vous pouvez oublier la RDC dans... Est-ce que Paul Kagame, s'il te plaît, est-ce que tu peux oublier la RDC dans ce que tu fais? Bon. Parce qu'on a osé initier au Rwanda, nous pour rien. Nos frères et sœurs qui sont calmes, qui n'arrivent pas à parler. Maintenant, là, on voit, nous tous nous disons, ce sont des Rwandais qui traversent clandestinement. Pris main dans les sacs. Ils ont avoué, ils ont donné leur mission, leur ordre de mission, ils ont donné les plans, mais dans les sacs. Namoy. Alors, tout ça, c'est la question du jour. Neto Union sur Baza, Bakatisi Baza, Namaboko à FRDC. Bakatisi FRDC à Yamiban. Bakatisi Baza, on a un peu de temps, puisque caméra moyenne, Bango Misu, et mon FRDC, Zate, mais FRDC, Baza, à mesure, Yakobona Baza. Je pense qu'on va terminer l'émission par là pour aujourd'hui. Mais c'est révoltant. Mais bon, je ne sais pas. Personnellement, moi, je suis déçu de cette attitude. Mais peut-être, vous pouvez proposer peut-être autrement. Je vous aime bien et je vous souhaite une excellente soirée. Merci d'avoir été nombreux à suivre cette émission. Même si c'est révoltant, puisque tout l'ennemi, vraiment, on est fatigué.
il y a un autre groupe. Les babengi bangona, babengi si, na l'accepte une image. Peut-être yasuka. Les babengi si, et assez non. Bah observateur tout bazarana. Bah ça la story si RGL pour la surveillance de quelque chose comme ça. Babengi bangon balobi. Boya nan, boya nan. Bino batu bolo bagatro. Est-ce que vous pouvez voir? Ce que vous allez na image, ils sont là. Tous les services qui ont toujours fait des bruits pour tous les services qui ont toujours fait des bruits pour dire à la RDC aux Amabé, RDC aux Aboyé, ils sont là. Qu'est-ce que vous dites? Mais bango tout complice, tous en amitié, na minute on n'a pas d'amis, on a de vous pouvez filmer, vous pouvez vous précipiter, boyoka, boloba témoignage, mais ça servira à quoi? Nous devons nous prendre en charge. Moi, je pense que la dernière décision pour la RDC, c'est de nous prendre en charge. Tout contrôler frontières en Abissobou. Et puis, Bissomoro, tout ça là. Bon. On y arrivera. Mais j'ai besoin de vos commentaires. Quel est l'essor que vous réservez à ces gens? Bazo présenté Bango. Bah, mécanisme, on a suivi Bazoui. Nous allons le prendre. Ça nous sert de preuve. Et finalement, Bazo Kotisa, Bazo Katsakara. Et c'est inquiétant. Alors, dites-moi, comment est-ce que vous trouvez, vous pensez pour la solution, puisque Tolinga émission Nabiso est à la interactive. Alors, chers amis, merci beaucoup. Bon début de week-end, bon début de semaine. Je reste avec espoir de vous retrouver demain pour un nouveau numéro. Encore parler de la RDC, toujours, toujours et encore. Peut-être les choses pourront changer. Nous les défendons. Mais il peut qu'on les mate. Ce qu'on s'appelle, on peut qu'on défende les mbogas. On s'appelle une émission Nabiso. Partagez. Et puis, qu'on l'ouate sans nous laisser des munitions. Dans le Bakanabi, tout ça n'a bitumba. Bitumba, pour que Simba bien, il faut munitions. Bon, ça n'a munitions. Les munitions ici dont je parle, ce n'est pas vous demander de l'argent. Bien sûr, Nassim Rayangope, Moussous Baza, Awa, depuis 3 ans maintenant, nan va pèser à ta infrante. Basa bonarate, basa la rané. Pèser à ta laïque, ça fait du bien. C'est une contribution. Merci et à demain pour le prochain numéro. Prenez bien soin de vous. Et travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. À demain et bonne soirée chez vous. UEBS Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Les bio cacao possèdent des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles et puissantes. Un autre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou de conservateur. Avec de l'eau chaude, de l'eau tiède ou du lait, profitez d'un tendre goût des cacaos. Avec BioHebs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté à un complément alimentaire, sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire. Et qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bien fait est pour le cœur et la morale. Lutte contre l'hypertension et le diabète. En tant que médecin, je vous conseille d'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com. Nous sommes en Europe, aux États-Unis, au Canada. Nous sommes aussi en France et en hors des Congos. Nazalaka na poto, nazalaka na souci ya kotonga ndako na Congo, bo mokolo na kozonga to mpe soki na kei vacances, nazanga esika ya kopema te na Congo, mboka na ngai. On est mieux que chez soi.
na tindi bambungu na ngai epa ya oncle Chimvundu leki ya mama na ngai noko Chimvundu azwi ngai lokola mpunda na ye depuis on a fait ça qui est qui la 15000 dollars mais baye bisinga place moko bezamba ba moins cher bon yo le bakini c'est le permis de moi ils amou que nazo ba tsalo misato moi je suis tonton Chimvundu papa Chimvundu oncle Chimvundu yo le bakini 2050 mouke mouke ndamou que na obeto mata na zongi kisasa ndako emuna na te ata terrain ya pamba na muna te noko Chimvundu abelinga ingo alors tango kanda e matinga ipene na kangisa noko Chimvundu nazo solution MB Assistance Immobilier. Vous voulez être propriétaire de maison à Kinshasa et partout en RDC sans stress de construction et sans être roulé? C'est simple. Souscrivez dès maintenant, moyennant paiement de 300 dollars par mois et après 10 ans, Nyongo Sili ou Gomi propriétaire ou Gololupa. Mais tu peux aussi occuper ta maison avant la fin du crédit. Pour tout contact, agence MB Assistance. Dans MB Assistance Immobilier, Bisonios Fongola Namaboko Bang Konolupa. Avec MB Assistance Immobilière, clé à la main, tous propriétaires. Aimons le Congo, élevons le Congo, protégeons le Congo, car la RDC, c'est notre avenir, c'est notre sang, c'est notre terre. La loi Tchani est le seul gage pour garder l'intégrité de notre territoire et de nos richesses. Alignons-nous tous derrière la loi Tchani, de père et de mère, de père et de mère. Pour commander votre piment, textez au 435-243-2318. Laissez votre nom et adresse, combien de bouteilles, carton, palette. Merci pour supporter la campagne de père et de mère en la faveur de la loi Tchani. Après le lancement de la Cité Kimia, la société Kodiassimo présente le Square VIP Kimia. Parce que nous croyons que désormais tout Congolais doit posséder une parcelle en République démocratique du Congo, Kodiassimo facilite l'accès à l'achat de votre terrain en toute sérénité et surtout en toute sécurité. Dans le Square VIP Kimia, à partir de 5 000 $, financez votre terrain, puis sa clôture, et notre équipe s'occupe de sa mise en valeur ainsi que de toutes les démarches administratives jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. De plus, vous avez la possibilité de construire votre maison seule ou de nous confier votre projet immobilier. Désormais, que vous soyez du Congo ou de sa diaspora, avec Kodiassimo, vous êtes à la meilleure adresse pour construire la vôtre. Nelson Yanzila, Coco Yasuka Moka. Ashka, Ashka, Today, Honoré Kabongo, les journalistes patriotiques. Bamamana este, Bobate Lama, Bobate Lama, Nazame O. Bamamana este, Bobate Lama. Shaba motema pasi e bana buna kanda e zambe alola abate la bido zambe kostandima beta 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 matusa beta matusa e se farte se l'équipe amakasi la police nationale mama yo yo Mama, Christian Chiwewe, le Jene Jene, patriotic. Ah, Kembo, ah, Kembo, bon. Tomalanda, akongo mongali. Yeah, yeah, yeah.
basusu bakanisa kazoto eza kotonga boye bakalokuta ebo makazoto ngana leli yo bolingo ya papa e papa batela zoto e yango ezali tempelo ya molimo molimo mosantu e San Joli, ezonga na yo zakoma. Na toli o koto na zakoma, ye 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 yo yo. Oh. Hallelujah, zambe na Kongo, zambe na Nduya, atonda na Bolingo. Yonde mosa tu reto kumisio Moko na Kongo Ato na bolingo Mwana na zambe Obongi na kemo